Toujours sur tes épaules, grand frère. T'as fait commencer, mais j'ai eu le dernier mot.
Thank you.
Shane, je vois aucun de tes hommes dans le coin. Ils ont dû filer à cause des Akula. Ils se sont fait coincer près de la gare maritime. Combien ils sont à les pourchasser ? Neta ? Pourquoi ? Tu veux rejouer la machine à tuer ? Pour mettre à jour ton tableau de chasse ? Je fais ça uniquement pour Brent. Arrête ton char. Je t'ai observé la dernière fois. T'avais la rage dans le regard et le sourire aux lèvres. Tu prenais ton pied. Ouais. Je vais bien. Les hommes sont à couvert là-bas, derrière un de mes camions. Protège-les, et ils te couvriront quand Jenny aura piraté le téléphone et qu'on prendra les armes pour libérer ton frère. Championne, je vais rassembler les survivants ici. Rejoins le second front. Le front ? Tu te crois en guerre ou quoi ? Ben ouais, on a volé ses flingues. J'ai équipé mes hommes. Ils ont commencé à retourner la ville pour trouver Brent. Et évidemment, ça a pas plu aux Akula. C'est une guerre des gangs. Et tu l'as déclenchée. D'accord, je vais vous aider. Allez, fais pas cette tête. On fait un vrai carton ici. Et une fois que Brent sera libre, toi et moi bossons ensemble. On pourrait déplacer des montagnes de drogue très lucratives. Pas question. Le BUP arrive. Si je finis en tôle à cœur d'un quai, je reverrai jamais mon frère. Les Akula sont désespérés. Je parie qu'ils balancent tout ce qu'ils ont contre mes gars planqués près de la Needle. Parfait. J'espère que c'est une parade d'Akula. Ça m'évitera de les pourchasser. Ah, je te reconnais bien là, mon ange. Yeah.
ça pour aider mon frère. C'est tout, pas par plaisir. Lui et moi, on n'aime pas ce genre de truc. Ah, d'accord, je vois. Tu veux pas que Brent sache qui tu es vraiment, hein? La machine à tuer, celle qui me plaît tant, justement. Brent est toujours là pour me protéger. D'habitude, les gens qui me voient à l'œuvre flippent totalement. Brent est tout ce qui me reste. Bon, si tu dois étouffer ta rage pour que ton frère reste avec toi, ton asphyxie n'est pas terminée. Jenny a piraté le téléphone de la Kula. On sait où ils retiennent les otages. T'es sérieux, là? Quand tu seras prête, retrouve-moi devant l'Athéole sur Madison. On y est.